On y va. Ok. On y va. Ben, Got Body. Voilà. Got Body. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Bon, Got, en fait, c'est un surnom qui a été donné par, une ancienne chanteuse d'un groupe, dont on fait encore partie, et elle m'appelait Biquette, en fait. Voilà. Donc, du coup, on a transformé ça en Got. Voilà. Et Body, c'est un petit jeu de mots entre Buddy, Body, enfin voilà. Follow the lazy way. Alors, on s'est rencontrés grâce à une association de Saint-Médard-en-Jalles qui s'appelle Geste Expression. Et en fait, on venait faire un atelier de musique actuelle avec notre prof qui s'appelle Michel Lalanne. On est allé à un concert en fait de Novan Frankenreiter et en fait, on s'est dit ah, bah tiens, Body il fait des compos. Ah oui, d'accord, ok, bah, il fait des compos. Bah, tiens, bah, vas-y, envoie. Et puis c'est parti comme ça en fait. Où moi j'ai posé une mélodie dessus, des paroles, et voilà en fait. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Pour moi, pour toi aussi, je pense, Neil Young, ça a commencé un peu par Neil Young, c'est beaucoup d'influence par rapport à lui. Mm-hmm. Et après, plein de choses diverses et variées, quoi, surtout des années 70. Voilà, on écoute beaucoup les musiques des années 70, hein, parce que de toute façon, on est natif des années 70, hein, donc on le dit même dans une de nos chansons, hein, bien des 70s. Hein, et en fait, on a beaucoup d'influence de la pop, du rock, de l'indie aussi. Et dans les gros artistes, par exemple, on a. Moi, j'aime beaucoup Jamiroquai. Un petit peu loin de notre univers, mais en fait ça nous influence beaucoup. J'adore et voilà Jack Johnson qui franchement est pareil, une révélation pour nous. Et par exemple aussi New Orleans, donc c'est bah, vraiment dans plein d'endroits, plein d'univers. Folk, hein, on va dire, ouais. Avec des couleurs diverses et variées, sons souvent ce qu'on a écouté, ce qui nous a plu, souvent les instruments, on va créer quelque chose qui va, des fois, qui est pure folk, mais qui va devoir se transformer peut-être en bossa, en pop, en rock, un peu plus rock. On essaie de faire un peu, des morceaux un peu plus punchy, des morceaux un peu plus balades. Voilà. En fait, on s'amuse, hein. Voilà. On essaye de colorer la folk. On va faire découvrir la musique. Voilà, faire découvrir notre musique. Et honnêtement, c'est quand même aussi un rêve d'ado, quoi. Ce qui est très chouette, c'est que à chaque fois qu'on monte sur scène, alors on a une toute petite expérience, mais chaque fois qu'on monte sur scène, on apprend toujours quelque chose. Et ça, rien que ça déjà, ça nous met en appétit à chaque fois. Donc voilà, notre petite expérience, c'est trop bien. Pour moi, la médiathèque, j'ai été fan de la médiathèque de Saint-Médard depuis très longtemps. J'ai écouté beaucoup de musique, beaucoup de CD, au pif des fois, je prenais à la tronche. Ça me plaît, et puis j'ai découvert des choses comme ça. Moi, je joue à la médiathèque de Saint-Médard, déjà c'est ma ville, notre ville. Déjà, pour nous, c'est gratifiant et ça nous fait super plaisir. Voilà, c'est notre premier truc vrai, c'est pas vrai ça, on en a fait d'autres, mais plus notre première. Ouais. C'est notre premier festival. Ouais, donc c'est super, on est super contents, hyper fiers. Très très fiers. Ouais, on est très très fiers de jouer dans notre ville, dans notre médiathèque. Encore une fois, c'est une super initiative. Ça permet d'aller chercher sûrement des artistes qui sont planqués dans les coins. Voilà. Qui sont pas très. Voilà, qui démarrent. Nous, on est amateurs, quoi, on n'est pas. Voilà, nous, on est vraiment des amateurs. Puis on s'aperçoit que la scène locale, elle est très variée aussi, et ça bouge partout, qu'il y a énormément de groupes. Et donc, les médiathèques qui mettent en valeur justement ces jeunes artistes qui arrivent, c'est vraiment une super initiative. Outdoor, the great outdoors. Comment ça se passe?